Hello tout le monde, c'est Night, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Atlas et cette fois-ci on est parti, on est retour à la base. À la base pour exactement, on va tamer un petit croco déjà dans un premier temps. Petit croco, on a récupéré de la prime, du prime shark, donc la nourriture préférée des crocos. Et dans notre base, et bah, logiquement il y a pas mal de crocos qui tournent, je crois qu'on en voit un en face. Enfin, logiquement il y en a toujours pas mal autour de chez nous. Une petite bouteille rose là-bas. Sont où les crocos? On a des bolas. Oh, il y en a un juste là, c'est parfait. Alors, j'espère qu'on va pas fail. On va prendre des bolas, on va les mettre là. Je crois qu'on a ce qu'il faut. Bon, on est bon. Alors, petit croco, il est tout seul, s'il est tout seul c'est parfait, c'est encore mieux s'il n'y a pas de snake et tout. Alors, level 3, ouais, peu importe du level, on s'en fout en vrai. Parce qu'on va juste tester ça déjà. Ça fail. Oh là là, et là il va me dire qu'il a pas trop de vie. Oh là là. Le piaf, il va limite le bouffer quoi. Okay. Ah ouais, mais le piaf du coup il l'a niqué. Non mais je rêve. Oh putain, j'ai un peu dit, j'espère que je vais pas faire, c'est un délire quoi. Putain, mais pourquoi il l'a pas pris? Du coup il y a le vautour. Oh là là. Attends, c'est pas là. Merde. Mon épée. C'est pas mon épée sur moi? Oh fuck. Ah ouais, les piafs relous là. Putain, il faut... Oh là là, il faut un autre croco. Merde, comment j'ai pu fail ça? J'en avais vu un derrière. Ah, il y en a un, mais il est bloqué. Ah, ça doit être un croco dingue, je pense. Le mec, il a tamé, à mon avis. Ah ouais, il n'y avait pas de snake et tout, c'était pas mal, putain. Oh là là. Faut toujours que je fail tout, bon, c'est un délire. L'arc, il va péter en plus. Donc là, logiquement aussi, il y en a qui se baladent ici. Les crocos. Est-ce qu'il y a un petit croco qui se balade là? Non. On a un rhino. Non, on va regarder derrière du coup. Ok, on a un croco juste derrière, c'est parfait. Espérons qu'on puisse le niquer tranquillement celui-ci. Alors, viens là frérot, viens mes potes. Ah, ça a touché, hein, les gars. Ok, hop. Je crois qu'il faut... Ça a marché? Ah ouais, je crois que ça a marché. Alors. Hop. 25. Bo. Easy. Et c'est tous les combien? Ouais, pas avoir. 3 secondes. Oh ouais, ça va être easy. Hein. Petit croco. Ah, on va l'appeler Kosla, hein. Comme l'autre de l'ancienne série. Ah ouais, là, il est déjà à 50. Hein. Plutôt pas mal. Bien là, une seconde. Oh, hop. Voilà, vas-y, mange, mange.
C'est bon là? Non, ça. Oui, je crois qu'il a pas besoin de sel. On a, ouais, il a pas besoin de sel. Ouais, pas besoin de sel, tranquille. C'est un mâle. On l'appelle Kosla. Parfait, ride. Ah ouais, mais là je suis trop lourd, non? Ah non, ouais, ça passe. Ah, il ce petit croco. Petit croco. Eh, on est plutôt pas mal, hein. Donc pour nager plus vite, hein. Ah, on tombe pas, frère. On va pouvoir nager plus vite. Alors, au niveau de la bouffe. On va te donner ça, c'est quoi? Ça, on va donner vraiment tous les trucs que j'ai. Mange bien. On va conserver la prime au cas où. Dans nos petits sacs là. Ah, ça se conserve. Ah non, 4 minutes. Ah ouais, ça se consomme vite, hein, le spoil time. 4 minutes. On passe de 4 à 2 heures. Ah ouais, mais dans 2 heures, frère, ça peut me servir à grand chose. Alors, du coup, il faut qu'on plante des choses, ouais, pour le. Alors. On va prendre les skills, on va commencer par là déjà. Skill, il nous faut ça. Paf, 11 points. Ouais, bon, ça va. 96, on passe à 85. Et donc, du coup, on peut crafter ici, mais je pense que ça va plus vite. C'est mieux de le faire dans le grill. Regardez, consumable. Food. Donc, du coup, des herbes, on a le poisson, on a le pepper. Je suis en train de le faire pousser. Le sel, on a. Ah non, c'est le maïs que je suis en train de faire pousser. Donc, c'est du pepper que je dois mettre. Pepper. Pepper, paf. Le pepper, tac, on va mettre là, avec deposit, hop, pepper. Donc il faut que ça pousse. Ça met du temps. Ouais, on va pas pouvoir l'utiliser tout de suite, malheureusement. Ça met un peu de temps. Ah, j'ai rien mis ici. Tac, on récupère ça. On a quoi là? Oh, ça le transforme. Ok. Est-ce que c'est bien ou pas? Ouais, je vais pas en avoir besoin. Est-ce que je m'en. Ouais, je vais peut-être me tamer un deuxième croco au cas où dans le. Ça prend 2 secondes à tamer. Vaut mieux en avoir deux. Vous savez quoi? C'est mieux d'avoir 2 crocos. Hein. On va essayer de se chercher un autre croco. Donc, du chip machin, je sais pas à quoi ça sert ça. On va prendre ça parce que je suis en train de crever. Tac. Il faudra peut-être un petit peu de fiche aussi. On va goûter ça, tac. Hop. Du coup, on va déposer pepper seed. On va déposer des trucs là. On va essayer de faire le tri, c'est important. Tac. Ça, on va déposer aussi. On peut regarder sur nous, on dépose ça. Toi, t'es en follow, j'imagine. Faut que tu casses tes couilles comme ça. Ah, disable following. Behavior, t'es en quoi? T'es attack your target, ok. On va essayer de trouver un autre croco. J'en avais vu d'autres dans le coin, de l'autre côté là. C'est mieux d'en avoir deux au cas où. Le tiger, je l'ai perdu, donc du coup, c'est chiant. Mais pareil, si je retourne sur une île. En fait, les animaux à table là, en priorité, ça va être les pigs pour avoir. Pour faire du fertilisant. Et les tigers pour faire les cartes violettes. Il faudrait au moins peut-être 2-3 tigers. En vrai, je pense que 3 tigers, ça peut être pas mal. Parce que les cartes violettes, t'as 3 ou 4 gros, je pense, je dirais. Même pour les cartes bleues, je dis cartes violettes, mais ça vaut pour les bleus aussi.
Les bleus, là, la bleue qu'on va faire en A10, on va la faire avec le canon, la swivel. On va se faire un petit piège comme ça, parce qu'il nous faut du stuff. Alors, où est-ce qu'il y a un petit croco, là, dans le coin? Je sais qu'il y en a qui se baladent aussi, ici. Petit croco. On avait vu un dans l'eau quand je suis arrivé avec le bateau, mais... Ah, c'est un snake. Il était par là, je crois, je l'avais vu. Hein. On va le trouver là. Alors lui, il a mis un bad ici, on sait pas pourquoi. Bon, il est où le croco là? C'est barré ou... Il se planque? Là, il y a un snake. Le mec, il a fait une giga porte, putain, délire. En fait, ces portes-là, je pense qu'elles sont bien, mais quand tu joues en PVP ou quand tu veux les poser, par exemple, dans l'eau, tu vois, quand c'est pas trop profond, tu peux mettre une porte comme ça, j'imagine, ça peut être stylé. Mais là, en mode... Eh ben, la taille du bordel, frère, la taille de la porte. Ah lui il a le bateau, le Pegasus, c'est ça. Ça ressemble à ça le Pegasus pour transporter des bestioles. On visite un peu chez les voisins du coup. Ah Théma, ils ont tamé je sais pas combien de crocos. Ils ont mis une tour comme ça, je sais pas à quoi ça sert. À tester. En vrai, je... Je sais pas si je peux la craft. Pickle Tower. Je pense pas avoir de Pickle Tower comme craft. Ah, il a mis des gros. Non, c'est des gros ou c'est des petits? Je crois que c'est des petits. Ouais, c'est des petits. Ah, il a mis des bottes pour défendre sa tour. Qu'est-ce qu'il a mis là? Sky Silver. Crown, Massacre Memorial. Ok. Ok. Donc, il a mis les crocs là au-dessus. Hein. Je sais pas pourquoi il a mis ça aussi. Ah, c'est les connexions, que ça se connecte entre eux. Okay. Il y a combien de trucs connectés là-dessus là? Ah, il a réussi à connecter deux farms. Bon, il n'y a pas de crocos là, je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont barrés. Bon, petit nouveau croco là. Enfin, on a retrouvé. Je pense qu'il a repop, hein, parce qu'il n'y en avait pas tout à l'heure ici. Il a dû repop. Allez, viens, attends. Level 8. On va pas se faire niaquer quand même.
pas bouger. Hop. Allez, mange. Ouais, deux crocos, je pense que c'est mieux au cas où, hein. On va pas prendre de risques. Puis c'est simple surtout, tu vois, genre c'est simple à tamer. Ça prend, ouais, 4 bolas avec de la prime, c'est quoi comment ça s'appelle? Prime Shark Meat, voilà quoi. Je dis 4 bolas, mais en vrai non, genre 2 bolas je crois, même 1 bola. À 67. Ouais, non, ouais, juste un bola, ça suffit. On va l'appeler comment si on va l'appeler... Ah, c'est une femelle. Une femelle. Coslette. Oh, c'est chum, hein. On va l'appeler Bertha, tu sais quoi. Ou coûte-t-il Bertha, quoi. Bertha. Et allez hop. Et là Bertha. Comment on grimpe là? Allez. Voilà. Donc ça c'est bon. On a deux petits crocos. Je pense que je les mets... Non, descends pas. Vas-y. Je pense... Ah, ils sont pas la même couleur. Hein. Ah ouais. Ah. Stylé. Alors après, pour les accouplir, je sais pas du tout comment ça marche. On disait qu'on peut l'activer ici, Enable Breeding, mais... Je sais pas du tout comment ça marche. Hein. Mad Boosted. Gender mal... Mad Boosted, what the fuck? Mad Boosted. Je sais pas ce que c'est. Vas-y, partage un peu ta bouffe, toi, avec Bertha, là. Et on va te mettre des points dans la stam. Dans la vie. Et en vrai, je pense que je vais les stocker d'abord. Je sais pas si je peux les stocker en vrai. Oh, Teddy là. Ah, il est pas. Ah ouais, je peux pas le stocker. Alright, man. C'est pour ça que les mecs ils les stockent pas. Ok. Alors je serais chaud de les laisser ici, mais est-ce que ça craint en fait? Attack your target. Je vais mettre neutre. Tac, je vais mettre neutre. Lui il est en neutre et en jet. Lui il bouge pas en fait. À chaque fois je peux le laisser, je sais qu'il va pas des pop ni rien. Il est en neutre et il. Et là il bouge pas tu vois, donc logiquement, bon après ça se termine en 2 secondes, voilà, en vrai nique sa mère. Hein. Non mais ah putain il doit être en following. Ouais.
Je vais laisser les deux crocos aussi. Hop. Ils sont calés. Logiquement, ils devraient être. Logiquement, ils devraient être tranquilles. Galère à passer l'escalier là. Okay. Voilà. Et les deux crocos. Matching. Oh, mais non, ça marche. Mais non, ils vont faire un bébé. Mais trop stylé. Oh, puis ça va vite. Attends, ils vont faire un petit. J'ai envie de voir ça. Mais c'est excellent. En fait, c'est juste aussi simple que ça. Parce que moi, de ce que j'avais vu, c'est, je crois qu'il y avait une histoire de... Il y avait une histoire de température, de je sais pas quoi. Je sais pas, on va voir. Hein. Je suis pas trop renseigné dessus, parce que moi, le timing, tout ça, l'accouplement des bestioles, je m'en tape un peu. Ça n'a jamais été trop ma priorité, c'est bien à savoir 2-3 trucs, mais... J'ai pas le temps en plus, il y a trop de trucs à faire sur le jeu, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de trucs à faire. Ça va vite, hein, 55% déjà. Currently matching with Kosla. On va voir s'ils vont faire un bébé croco. Comment ça fonctionne? Allez, 80%. Ok, ah ouais, donc du coup, ok, on a un œuf. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on fait avec cet œuf? Ok. Bon, on va stopper le machin. Tac. Ok, donc on a un œuf, et du coup, avec cet œuf-là, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Spoil time, right click pour me refermer la chaîne. Consume, non, on va pas consumer. Je vais regarder vite fait sur le wiki, les gars. Je vous reprends après. Ok. Oh, les textures là. Merci. Ok, donc du coup, l'œuf, alors il faut pas le garder là, dans l'inventaire, sinon il risque pas d'éclore. Il faut le garder dans une dans un endroit où il fait chaud. Et donc du coup, egg information, spoil in. Alors, attends, on va voir si on met du feu à côté. Je sais pas, on va laisser comme ça. I don't know. Ouais, je vais aller faire d'autres feux. Alors, j'imagine qu'il faut qu'il soit, vu que c'est un croco, il faut qu'il soit dans une zone de chaleur. On va essayer de crafter plusieurs feux autour. On va voir comment ça fonctionne. Moi, je vais essayer de capter. C'est pas important, je m'en tape un peu en vrai, mais genre, j'aimerais bien voir vite fait juste comment ça fonctionne.
sais pas si ça change quoi que ce soit. Cold. Ah, ils le disent, ouais, too cold. Vraiment, là, il y a trois feux sur... Il y a trois feux à côté de lui, il dit too cold. Il se fout de ma gueule ? Too cold, il m'a dit, frère. Attends, faut que je récupère du feu là. Hop. Tac. Merde. Ah, peut-être qu'il soit à l'extérieur aussi, ça me... C'est pas ouf, il faut peut-être qu'il soit à l'intérieur. J'avoue que s'il reste la nuit... Et vous savez quoi, je vais le mettre à l'intérieur, voir. Je pense qu'il faut le mettre dans une pièce fermée. En plus, il faut qu'il soit dans une grande pièce, parce que s'il est clos... Ah, maintenant, il va être petit, je pense, j'imagine. On va le foutre... Ah putain, faut qu'il y ait des trucs juste... Tout. Tac. On va essayer de mettre pourquoi pas dans une pièce, faire une sorte de pièce provisoire. Ce qu'on va faire mettre, c'est là-dedans. Non! J'ai fait consume. J'ai fait consumer, je crois. Putain, je l'ai mangé l'œuf. Bon, on verra plus tard, les gars. Mais je pense que c'est un truc comme ça hein, qu'il faut faire. Putain, j'ai fait consume. Je voulais faire drop et j'ai fait consume. Bref, on verra. Ça, c'est fait. Ça, c'est les carottes. Du coup, nous, c'est quoi? C'est du pepper. On fait ça et après, on se pète faire la carte, je pense. Tac. Hop. Ça pousse, ouais. Ça pousse. Et du coup, on va se péter pour faire la carte bleue. On va déposer toute la merde et on se pète, les gars. Ok les gars, j'ai réussi à faire la bouffe, c'est bon, on est paré pour partir tenter de niquer le squid. On va aller juste à côté là, je pense que j'ai le vent. Où est-ce que je peux mettre cette merde? Ça là. Donc du coup, je vais prendre un petit croco. On va prendre... Je crois qu'on va prendre Kosla. Hein. Alors, tac, move. Okay. J'espère que ça va le faire parce qu'en ce moment il y a des petits problèmes suite à la mise à jour, la dernière mise à jour qu'il y a eu sur le jeu. Il y a des petits problèmes, mais bon, il y en a, c'est des gros problèmes. Hein. Genre les shipyards là, genre ils sont buggés. Tous les shipyards doivent être détruits. Genre peu importe si vous avez un mythical shipyard, frère, il doit être détruit parce qu'il est. Il est mort le shipyard. Tous les blueprints que j'avais mis là, tous les bateaux que j'avais, ça me fout le seum. Ce qui me fout le plus le seum, c'est ça. Hein. C'est que tous les blueprints qu'il y avait dans les inventaires, bye. Et pareil, c'est dead. Hein. Ils sont tous morts. Donc du coup, il n'y a rien à faire. Il faut refarmer. Ils prévoient de faire un patch la semaine prochaine. Donc du coup, je crois qu'ils espèrent pour mercredi. Et ouais, c'est galère quoi. Les galères, là, je crois qu'ils ont activé le x5, ils ont remis le x5, on était en x3.
Et ils ont mis le x5 pour avoir plus de gold et tout, mais bon, c'est abusé quoi. T'imagines les mecs. Moi je suis vénère, c'est surtout pour mes blueprints, tu vois, mais. Parce que j'ai fermé de fou hein, pour les avoir tous ces blueprints. Mais les mecs qui ont des shipyards mythical, qu'ils ont payé 30K pour les avoir et tout, ils sont baisés de chez baisés, frère. On va contourner sur la droite, je pense. Ah, franchement, là, ils ont déconné hein, sur la mage. Les bots aussi, là, qui dépop. Il y a des bops, les mobs, putain, les NPC qui sont sur les vols qui dépop aussi. Je crois qu'il y a d'autres problèmes encore dans le même genre. Et donc, du coup, ouais. Donc, du coup, ouais, c'est la merde, hein. C'est la merde, on va devoir refarm les blueprints. Putain, c'est relou, hein. Et le mythi. En fait, j'ai déjà un blueprint, moi, de mythical, de shipyard. Shipyard mythical. Donc je pense que je vais le crafter. J'en ai pas besoin tout de suite. Mais je pense que je vais le crafter quand j'aurai les mythos. Et donc, du coup, quand on va niquer le premier boss. Le premier boss qui est bah, justement bah, juste à côté, hein, juste ici, qui est l'Hydra. Donc, on est le premier boss qu'on niquera, ça sera l'Hydra. Alors je me tâte encore, je sais pas si on va le niquer à la grenade, j'ai envie de le niquer à la grenade, parce que j'ai déjà dépensé des skills pour la carabine, pour les grenades et tout. Donc on va tester déjà de cette manière-là, et sinon on pourrait peut-être essayer de l'aggro vers le bord de l'île, tu vois. Oula. Il est vachement proche lui. L'attirer proche au bord de l'île pour pouvoir le niquer, tu vois. MDR, il fait quoi le client? Ah, il s'est arrêté ici. Mais lui, non mais wesh. Un délire. Oh là là, t'as mal tout ce qui tire. Il a pas de mun, c'est peut-être pour ça qu'il tire pas. Ouais, mais frère, là, t'es en train de me rentrer dedans. Ah, oh, il prend tarif. Ah si, il a des mines. Je vais niquer, on nique. Ah, il a niqué. Et là, niqué, je le laisse. Bon alors, nous, la direction. On est où là? Ah ouais, c'est à gauche là. Qu'est-ce que je fais? Là, on a le vent, on est plutôt pas mal. Donc, je sais pas ce que ça donne. Hein. Genre, là, j'ai préparé le truc pour les plonger. Parce que j'ai vu une technique de mec qui faisait ça, mais genre. Je sais pas ce que ça va donner là. En fait, ces techniques-là, je l'ai vu pour crafter, pour tamer des. Oula. Pour tamer des crabes. Et nous, on n'est pas trop chaud là pour tamer un crabe. Ça m'a l'air galère. En fait, c'est simple quand t'es à plusieurs, mais c'est galère, c'est un peu galère. C'est faisable, mais c'est un peu galère en solo. Et nous, on est là juste surtout, c'est pour le squid. Hein. Niki le squid. Je sais pas si c'est un giant, je serais incapable de faire la différence. De toute façon, on verra si c'est un giant, on aura la quête de débloquer, mais je pense pas que ce soit des giants. Je sais pas où c'est le giant squid. Donc, du coup, on va voir s'il y a encore le bateau là. Le mec là qui a resté avec son bateau AFK, là, genre juste au-dessus de l'île sous-marine, on va voir. Mon croco, il est où? Il est toujours là? Ok, toujours là. Donc, ouais, non, nous, ce qu'on va faire, c'est surtout plonger, essayer de niquer le squid et se barrer en fait, tout simplement. Ah merde, putain, j'aurais dû regarder la pierre. On va quand même checker, tu vois. On va quand même checker la pierre. Donc c'est juste ici, c'est à gauche là. On va se mettre au-dessus. On va voir ce qui se trame là-bas.
Donc y a, j'avoue, si je croise des sunken trésors, là, les trésors sous l'eau, il faut que je les récupère aussi. Pour espérer retrouver un Majestic Kraken Blueprint. Putain, j'avais un Legendary, hein. J'avais un Legendary Majestic Kraken, hein. Putain. J'avais des bons crafts. En plus, je crois que j'avais tous les bateaux, hein. Il me semble que je les avais tous, hein. C'est pour dire le nombre de trucs, de trésors sous-marins que j'ai farmés. C'est incroyable. Logiquement, il devrait pas nous défoncer, hein, le squid, les squids là en dessous l'eau. Il devrait pas. Je pense que ça devrait le faire. Ah, il est toujours là, regarde-le. Putain, il est toujours là, son bateau, frère. Incroyable. Le mec, si ça se trouve, il a eu une déco ou je sais pas. Peut-être qu'il est mort, il a rage quitté et s'est dit ouais, nique sa mère, j'ai perdu tout mon stuff, j'en sais rien. Mec, il s'est toujours pas reco. Et puis son bateau, il est intact. Hein. On va quand même rechecker l'état de son bateau, mais. Ouais, tu peux rien niquer là. Oh, il a pris des dégâts. Hein. Attends, mais. Ah, il prend des dégâts. Hein. Ah, il a déjà des trous là. Ouh, 3000, j'ai pas vu, ouais. Ah, il a pris des dégâts. Hein. 7000. Ah, il est pas bien. Ouais, mais franchement, je joue de rester dans la zone pour voir ce qu'il y a comme stuff là-dedans. Attends, on va mettre plat de justice. Il y a peut-être du bon stuff là-dedans, on sait pas. On sait pas. Bon, alors on se prépare, c'est juste en dessous. Hop. Alors, il nous faut. On va le consommer en dernier, ça, on va pas le consommer tout de suite. La tenue comme ça, de froid, parce que de sous l'eau il fait très très froid, donc on va la prendre. Tac tac tac, ici je crois qu'il y a besoin de rien d'autre. Ici, on va prendre les trucs de harpon parce qu'on va niquer des mers. Hop. Qu'est-ce qu'il nous faut? Peut-être prendre ça, ça pour niquer des darons, bien évidemment. Prendre ça. Alors, ça là, ça là, ça là, ça là. Et je crois qu'on est bon. Hein. Hop. On en prend un, on le consume. Tac. Ah, ça dure pas longtemps. Hein. Et là, on plonge. Dans les profondeurs, les abysses. Alors. J'avoue que la lumière là me nique un peu.
Ce qu'on pourrait faire, c'est aller checker. On va checker la pierre là-bas. Ah ouais, mais attends, mais ça marche pas le truc. Je comprends pas. Ah, parce que j'ai des poumons, ils sont en PLS. Ah, attends. Il y a un truc que j'ai mal fait. Il y a un truc que j'ai mal fait. Logiquement, c'est la bonne bouffe. Hein. Alors, attends. Laisse mon croco. Il est fou. On va voir vite fait. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Alors, decrease exchange construction, brick. Bah oui, c'est ça. Ok. Donc à mon avis, je pense qu'il faut peut-être combiner. Je vais essayer de... Oh putain, c'est que je dépense des points. Alors. Oxygène, voilà, 12 points. Vas-y, on va prendre ça, hein. Tant pis. Let's go. Oh, le shark, là. Il est en train de me niquer, ce bâtard de shark là. Et l'autre il se barre, mon croco là. Non mais c'est n'importe quoi, putain. Les sharks ils cassent les couilles. Le croco il se laisse. Mort là. Yukos là là. Là, il y a que des sharks là. Eh, il est parti où, frère? Oh là 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 là, c'est nul, mais c'est nul. Bon, vas-y, on va tenter nager solo. Putain, heureusement que j'ai tamé plusieurs cocos. Ah mais là je galère à descendre. Putain. Là je suis lent de fou là. Bon, remonter ça va être galère. Je crois que tu remontes plus vite que tu descends. Juste là. T'es mort toi, tu veux quoi? Alors, c'est là-bas qu'on doit aller. Je sais pas où est-ce qu'elle est la pierre. Là, il a froid mon perso. Hein. Putain.
Non, je pense qu'il faudrait que je regarde une vidéo déjà avant de plonger comme ça. Ouais, je pense qu'on va remonter là. Ok, logiquement, c'est là où j'étais. On va quand même réessayer, voir. Parce qu'il n'y a pas de vidéo, genre j'ai que des trucs vite fait, quoi. Des images. On va tenter de retourner avec le scaphandre. Mettre au-dessus, vraiment plonger tout en bas. Et je vais me mettre pile au-dessus du truc. C'est-à-dire là. On roule dessus le shark. Allez, je pense que c'est ici. On va tester, on va voir. Et peut-être en dessous, c'est peut-être le truc. Merde. Ah, c'est peut-être ça là. Ah. J'avoue que c'est peut-être ce truc-là. À récupérer. On est plus. Ouais, juste au-dessus, quoi. On y va tranquille. Je sais pas après si tu dois la mettre quelque part ou. C'est rien du tout, frère. Il y a de la lave et tout. Alors, il y a quoi ici? Absolument rien du tout, frère. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Require all power stone to recharge essence. Ah, d'accord, il faut les. Ok. Donc t'es obligé de. Ah putain, mais à chaque fois, il faut commencer par les power stones. Hein. C'est un délire. Hein. Ok. Tout passe par les 9 pierres de pouvoir. Là. Si t'as pas les 9 pierres. Tu peux rien faire comme autre quête en fait. T'as la quête principale et tu peux pas faire les quêtes. Je trouve ça tellement mal fait, putain, c'est bidon, tu sais, t'es. Je sais pas, ça a abusé. Ok. Bon, au moins on sait. L'emplacement est bon. On a pas trouvé de squid machin là, putain. Bon, du coup, j'espère qu'on a le vent pour se péter en A10. Ouais, ça va être compliqué, mais on va tester. On va partir limite, ouais, plus sur la gauche. Vu que l'île où il y a la carte, c'est celle-ci. Et logiquement, elle est par là. J'espère qu'on va pas. J'espère que non, je pense pas que ce soit sur un rocher. J'espère qu'il n'y aura pas de base dessus. On va voir. Donc on est bien arrivé sur l'île, les gars. On va commencer à préparer les setups. Du coup, j'espère que je suis sur la bonne île. Hein. Mais logiquement, ça devrait être bon. J'ai looté quelques trésors sous l'eau, c'était vraiment de la merde. Hein. Je suis dégoûté, je tombe que sur des trucs pétés. Mais bon. Hop, on fout ça comme ça. On va déposer. Déposer les golds. On va s'équiper vite fait au cas où. Prendre ça, mettre ça là et
Like this. Là, là, logiquement, on est bien. Alors. On va faire la technique des panneaux. Là, on n'a pas de truc en pierre. Ça sert à rien, je pense. Voilà, je pense que ça sert à rien. Pour du bleu, en vrai, je pense que ça devrait passer juste avec des panneaux. Je sais pas. Masterwork, j'avais mis des trucs en pierre pour être sûr, parce que genre, je savais que ça allait être une dinguerie. Mais vu comment c'est passé... Ah, merde, putain. Attends, je pars sans le, la swivel. Et sans le, le pied aussi. Est-ce que j'ai des pieds? Vraie question, ça. C'est pas mon bateau, ça. Alors, ici on a, voilà, swivel, est-ce que j'ai un pied? J'ai pas de pied. Mais j'ai pas crafté de pied. Ah, c'est embêtant ça. Bon, il me faut du bois, thatch, thatch, bois, ouais. Il manque pas grand chose. Alors, on récupère ça. Ah putain, mais les munitions, oh là là. Voilà. 32. Là on a tout. Donc du coup, ouh, il y a des louveteaux ici. Là, il faut que je récupère un peu de ressources pour pouvoir crafter. Ah ouais. Pour pouvoir crafter les panneaux. Ça demande pas grand chose. Lui, on va prendre sa fourrure. Hop, comme ça on est bien. On va prendre un peu quelques ressources ici. Polar et barque, on a déjà masse à la maison, ça sert à rien qu'on le farme de fou. Alors on a quoi? Ouh, c'est quoi ça? Du sel? Ah, ouais, du sel on a déjà pas mal aussi. J'espère que je suis au bon endroit. On va essayer de récupérer un peu de fibre. Allez, le petit faisceau est où là? Logiquement, il devrait être en face. Hein. Peut-être sur la droite. Ok, il est en face. Ouais, ils ont fait le même système que moi là, pour faire une carte.
Il a mis un peu de hauteur. En vrai, c'est peut-être une bonne idée de mettre de la hauteur. Alors, je vais essayer de voir exactement où est-ce qu'il est. Pas facile, moi je pense qu'il est. Ouais, juste là. On va le mettre là où il y a le. On va foutre le piège là où il y a le palmier, je pense. On va commencer à crafter les panneaux. Tac. Deux? Pourquoi deux? What? Ah, c'est du thatch, c'est pas de la fibre, merde, putain. Voilà, dans ma tête, c'était de la fibre. Straw. Ah merde, y a pas assez de. Y a pas de fibre là. T'en as quoi là? C'est du coton ça? Non? Straw. De se démerder comme ça. En vrai, 10, ouais, c'est pas mal. Tac. Est-ce que je ferais pas genre comme le mec? Alors, je mets un mur. Ceiling. Et un peu de fibre encore. Peut-être que c'est mieux parce que là, genre, j'avoue que quand t'es au même niveau que les panneaux, tu tires un peu dans les panneaux, donc du coup, c'est un peu, c'est pas ouf. Je pense qu'on va le mettre. Mettre comme ça, je pense. Alors, les panneaux. What? Oh, j'ai pas crafté les bons, mais non, mais je suis un truc. Oh là là, je suis un con, sa mère. Oh là 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 là, putain. J'ai fait ça à la place de ça. Ok, masse fibre, allez, c'est reparti. Donc 11, voilà, on va faire 11. Alors, on va placer ça comme ça. On va les mettre. Ouais. Du coup, il passe pas là. Hein. Hop. Hop, on va même fermer là comme ça. Hop. De l'autre côté. Voilà, là, ça devrait être pas mal. Du coup, on met un sol. Mettre un sol, ouais, je pense comme ça. Ça comme ça. Ça. Ah, comme ça, tu peux shooter en hauteur, c'est beaucoup mieux, je pense. La petite tourelle, le swivel, place.
Là, on est comment? Ah, c'est de la merde. Pick up. Pick up. C'est bidon. En vrai, je suis clairement pas fan. Là, comme ça, je pense. Merde. Là, on est comment? Là, ouais, on risque de tirer un peu mais sur les panneaux, mais en vrai, ça devrait passer. Ok, let's go, on est parti. Le faisceau, le faisceau. What? Ah, il est juste en face. Le moment de les aggro. J'ai pas pris l'appel sur moi, putain. Ah, attendez. Ah, il est loin. En vrai, il est loin le faisceau. J'ai une pelle sur moi. J'ai pas pris de pelle sur moi. Ah, ouais, putain. Attendez. Ah, je savais que j'allais oublier un truc. Hein. Ok, on est parti pour commencer la carte là. On va les aggro comme il faut. On récupère la stam. J'espère que je vais pas crever de soif. Ok. Ok. Bon. Et puis on verra. Ouais, il est assez loin le. Ah ouais. Ah ouais, je le voyais pas aussi loin. Ah, j'aurais peut-être dû me rapprocher, mais bon, tant pis, on va essayer les aggro quand même d'ici. Hein. Alors, on voit déjà un gros. Ok. Ramenez-vous. Merde. Ah, ils sont vachement loin. Hein. Allez les gars. Au moins. Le gros il devrait se ramener, on devrait réussir l'aggro. Quoique, il vient de partir, il fait quoi? Il est là, il repop. Ouais, tu mets des 273 de dégâts, c'est incroyable. Hein. Bon, les autres, ils sont là. Ok, on a un autre gros là. Il y a un autre... ouais. Eh merde. Ah, j'aurais dû me rapprocher, putain. Allez, viens là, Florent. Mais pourquoi il se barre? Putain, mais reviens! Non. Non. Voilà. Ok. Bon, la suite. On va essayer des aggro comme il faut. Parce que un par un, c'est un peu galère.
Allez, viens là, toi. Ouais, c'est des petits. Suis-moi. Ça reste ici, on va attendre. En attendant, je peux pas attirer les autres. Allez, viens. Ouais, on t'arrive. Hein. C'est complètement broken. Hein. La swivel, c'est broken de chez broken. J'espère. Ouais, je vais essayer de prendre les petits là. Ah, les deux là, venez là. Ils sont un peu plus rapides déjà. On va se foutre direct derrière. Oh. Là. Oh, je l'ai quand même niqué. MDR. L'autre il va respawn. On pourra le niquer aussi. Allez, viens là. Viens. Alright. Par contre, j'ai soif. Okay, good. J'espère que j'ai eu tout le monde. Hein. Logiquement, on devrait être pas mal. L'appel. J'ai pris la petite pelle gold d'ailleurs. Et donne-moi du bon stuff là, il me faut du bon blueprint, des gold. Dix mille, on est pas mal. 10 000, ok, alright. On va voir le reste. On a du violet, des médiums. Ouais. On a gagné 2 levels, pas mal. Ah putain, Final Discovery Put Raise. Ah putain, j'avais oublié ce détail. J'ai oublié de vous parler. Oh, des gants violets. Pas mal ça aussi. J'ai des gants bleus là, mais des gants violets, c'est mieux. 56 et le soleil sont à 53. Ok. Là, c'est du large blueprint. Ok, pas mal. Ça, on va tège. On va mettre des points. Là. Alors que je vous explique. Là, je suis bloqué au level 78. Si je veux gagner plus de level pour mon perso, il faut que je fasse plus de discovery. Des discovery, c'est-à-dire les, découvrir les îles, en fait. Là, par exemple, tu vois, j'ai juste découvert cette île-là. Et pour pouvoir augmenter mon ratio de... Comment ratio? Mon cap de level, il faut que je découvre plus d'îles, en fait. Ça te force à vraiment explorer toutes les îles. Donc là, il y a les baleines aussi. Les baleines, je crois que... Je sais plus c'est laquelle, je sais plus si c'est les deux ou quoi, mais tu gagnes un pourcentage de discovery, tu vois. Genre, c'est pas de level, mais c'est du discovery. Donc là, je suis maximum XP. Alors, je suis bloqué à cet XP là. Je peux pas gagner plus de level là. Donc, forcément, il faut que je découvre plus d'îles et c'est un peu chiant, mais j'ai pas le choix. C'est pour te forcer vraiment à découvrir plus d'îles, tout simplement. On va tester des trucs inintéressants. Ouais, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est quoi ça? Ok, ça. Ouais, on se pète d'ici. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va se foutre sur le bateau. Et ouais, donc du coup, là, franchement, pour le coup, les cartes, je devrais éviter de les faire, tu vois. Parce que je vais perdre l'XP, genre, l'XP que je vais gagner, bah, il va me servir à rien. Donc en vrai, là, il faut que je découvre des îles, en fait, tout simplement, là. Peut-être ce qu'on pourrait faire, prochain épisode, les baleines. Je pense que, ouais.
En vrai, les baleines. Baleines et découvrir les îles, en fait, tout simplement. Peut-être taper des yétis pour avoir des mythos. Mais les yétis, le problème, c'est qu'ils donnent pas beaucoup de mythos. Ils donnent genre entre 0 et 10, je crois. Ou peut-être ouais, peut-être 15 maximum. Je sais plus. Mais ouais, les mythos pour faire le shipyard. Ouais, mais après, ça, c'est pas une priorité. C'est pas pour tout de suite. Non, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est vraiment ouais, découvrir des îles et les baleines. Faudrait que je fasse un bateau. Ah ouais, mais il faut que je crafte un. Ah putain. Malheureusement, du coup, ouais, il faut que je crafte un shipyard, un nouveau shipyard pour le schooner. Et j'ai pas de shipyard en plus pour le schooner. J'en ai même pas crafté. Mais est-ce que j'ai un blueprint pour ça? Vraie question. Je crois pas. Hein. Ah putain, je suis un peu coincé là. Ou alors je fais un commun, hein, je fais un shipyard de base. Ça me coûte 500 gold. Oh, ça doit le faire. Hein. Il faut que je ferme les trésors encore, ouais. Putain, il faut du coup, je referme les trésors sous l'eau. Les trésors sous l'eau, ouais. Pour avoir les blueprints de bateau, j'ai tout perdu. Elle est belle cette tête de proue là. J'aime beaucoup, hein. C'est le Poséidon, je crois. Il est stylé. Anyway, on va s'arrêter là-dessus, les gars. On va se faire. C'est un coucher de soleil? Je sais pas. On s'arrête ici. Plutôt pas mal. On a essayé d'avancer dans les quêtes. On a essayé de trouver le squid. Le squid, on n'a pas trouvé. On a avancé, on a fait un peu d'agriculture avec une bouffe. Un récipient quoi, non, une bouffe pour pouvoir respirer sous l'eau. J'ai gâché un peu de points je trouve, mais après c'est vrai, les points on s'en fout, on peut reset, c'est pas important. Quoi d'autre? On a fait quoi d'autre? Je sais plus ce qu'on a fait, on a tamé des crocos. Ouais franchement on a pas mal avancé. On sait que du coup ouais les essences sous l'eau, sur les îles sous-marines, et bah du coup on est les 9 pierres, donc du coup on va commencer à farmer les 9 pierres. Faire les boss, le premier boss, l'hydre. On va se taper l'hydre, qui est juste à côté de chez nous. Sur ce j'espère que vous avez kiffé cet épisode les gars. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez kiffé, un petit commentaire, vous abonner comme d'hab. C'est toujours la même chanson. Et puis ouais, prenez soin de vous les gars, c'était Night.